l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 27. En ce jour-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, nous avons pu entendre la souffrance, le déchirement qui furent ceux de Jérémie durant sa vie. Jérémie exerce son ministère pendant les 40 années qui ont précédé la ruine de Jérusalem, puis la déportation à Babylone. Durant tout ce temps, Jérémie annonce sans relâche la parole de Dieu à un roi, à un peuple qui reste sourd à son appel. Dans ce passage, il se confie à nous. Il est partagé entre le désir de garder le silence pour obtenir une paix qu'il sait pourtant n'être qu'illusoire, et le devoir de parler, d'annoncer les mises en garde de Dieu à son peuple. Bien sûr, Jérémie restera fidèle au Seigneur. Il préfère être dérangeant pour le monde que traître à son Dieu. Il préfère endurer les persécutions que de recevoir les flatteries du monde. À titre d'exemple, juste avant le passage que nous venons d'entendre, Jérémie avait été condamné à être attaché au pilori la tête en bas. Aussitôt délivré, Jérémie reprend ses discours. Qui parmi nous pourrait montrer un tel courage, une telle foi? Le nouveau credo de notre époque semble plutôt être « ne fais pas de vagues, sois toujours d'accord avec la majorité ». Mieux vaut répéter un mensonge à plusieurs qu'être seul à dire la vérité. Pas pour Jérémie. Il a choisi la vérité de Dieu et s'y tiendra toujours. C'est bien cette duplicité que Jésus condamne envers Pierre. Pourtant, Pierre est animé de bonnes intentions. Il ne veut pas que son maître souffre ni qu'il meure. Passe derrière moi, Satan. Voilà la réponse cinglante de Jésus. Il nous semble bien loin les mots de Jésus. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Pierre doit continuer à vivre sa conversion. Que Dieu change son regard, sa logique. Oui, Jésus est bien le Messie, mais pas le Messie conquérant que Pierre s'imagine. Jésus sera le roi serviteur. Jérémie, Pierre, nous nous situons entre les deux. Nous voudrions annoncer au monde la beauté de l'Évangile, mais le courage nous manque. Pourtant, rappelons-nous l'ultime conversion de Pierre. Après son reniement, il trouve la force de retourner vers Jésus, de lui avouer son manque d'amour, mais surtout, il a le courage d'accueillir son pardon. C'est peut-être à nous, aujourd'hui, de nous diriger humblement vers le Christ. Amen.